Hello les amis, c'est Ibiki. On se retrouve avec Wolfenstein, l'un des premiers sortis sur PC. J'en ai vu des beaucoup moins récents. Bon, c'est de l'avant-dernier, on va dire. Donc ce sera un peu plus progressif, puisque le nouveau est sorti sur PS4 et PS3, si je ne me trompe pas. Avec beaucoup d'effets spéciaux et tout. Donc ça fait un moment que j'avais ce jeu, mais que je n'y ai jamais joué. J'avais tout signé. Donc, je vais faire quelques petits réglages. Voilà, ouais, c'est tout à fait. Ça. Dialogue, ouais. Bruno musique, ouais, ouais. Non, on va peut-être laisser tout à fond. Et si jamais je vois que ça va pas, eh ben, je change. Ne vous inquiétez pas, donc ce sera des épisodes d'une trentaine de minutes. J'ai encore oublié de mettre le chrono. Hop, voilà. Donc, vidéo. Est-ce qu'il y a plus 16/10e. 16/9e, je vais faire 16/9e. On va faire en musique. Bonjour, bien dessus. Attends, je vais essayer. Rendu luminosité. Bon, les images. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, rien partout parce que hein. Café meilleur. La campagne, alors je ne connais pas du tout, mais bon, j'avais envie de changer un peu le jeu parce que voilà, un peu d'action ça fait toujours plaisir. Allez, sautez de moi, bonne chance. Ah, d'accord. En normal, c'est déjà très bien. 2 minutes avant le lancement du missile, à tout l'équipage, à vos postes. Général! Général, nous pensons qu'il y a un espion à bord. Voulez-vous repousser le lancement du missile sur Londres? Comment? Sortira pas si facile. C'est quoi là dans ta poche? Montre-moi! C'est une bombe! Quartier général, ici l'agent B.J. Blaskovitch. Réveillez le directeur. Dites-lui que je dois le voir dès que j'atterrirai.
Agent Blazkowicz, entrez. Votre mission sur le Tirpitz a été un succès, BJ. Il est au fond de l'océan. Merci, mais je m'inquiète plutôt pour le médaillon que j'ai trouvé. Nous aussi. Des dizaines de spécialistes sont en train de l'examiner. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Pas grand-chose, mais assez pour que nous avancions. Ce médaillon est un symbole utilisé autrefois par un groupe obscur de mystiques qui vénéraient ce qu'ils appelaient le Soleil Noir. Ils ont disparu il y a des siècles dans un cataclysme. Puis, il y a quelques dizaines d'années, le symbole fut adopté par la société Thule, un groupe occulte d'Allemands qui compte des nazis de haut rang parmi ses membres. Certains doivent appartenir à la division paranormale des SS. Oui, tout à fait. Mais ce qui est encore plus intriguant, ce sont les cristaux contenus dans le médaillon. On ne les trouve qu'à un seul endroit dans le monde. Dans la ville allemande d'Eisenstadt. Nous avons contacté la résistance locale, le cercle Kreisau. Il détenait des informations intéressantes. Le général Victor Zeta, une étoile montante de la division paranormale de Himmler. Ces dernières semaines, il a lancé une vaste opération à Eisenstadt. Mais nous ignorons ce qu'il prépare. Vous croyez que le médaillon est l'œuvre de Zeta ? C'est ce que vous devez découvrir, agent Blazkowicz. Vos ordres sont de vous rendre à Eisenstadt, de rencontrer la résistance et d'évaluer la situation. Désolé de vous renvoyer déjà sur le terrain, BJ, mais cette mission est dans vos cordes. Vous êtes le seul qualifié pour ça. Je comprends. Je dois partir quand ? Immédiatement. Nous avons déjà organisé votre voyage. Je vous souhaite bonne chance, agent Blazkowicz. Merci, monsieur. Ben ça commence bien avec une cinématique mouvementée. C'est normal. Agent Blazkowicz, je suis du cercle Kreisau. Suivez-moi, votre couverture est déjà grillée ici. Bien. Oh, là. Descendez, faites vite. Les agents du cercle Kreisau attendent de l'autre côté. Où est l'Américain ? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Dis-nous où il est ! Je sais pas. Attendez, non ! Ah, bon, mais le formateur avait raison. Il y avait un Américain dans le train. Là, le chef de Kreisau est arrivé avant nous. Le général Zeta va être foudre. C'est pour ça qu'on doit... Toutes les escouades restent en alerte. Agent Blazkowicz, je suis Eric Engel, membre du cercle Kreisau. Écoutez, le temps presse. Des nazis fouillent la gare. Ils savent que vous êtes ici. Mais nous partirons plus tard. Il se trouve que nous avons une occasion de frapper. Il y a un train des opérations spéciales transportant des armes expérimentales sur le quai numéro 1. Si une petite diversion vous tente, prenez des armes sur cette table et venez. Oh, en ville, vous trouverez d'autres armes et des munitions au marché noir. Bien, mon ami. Venez, le train des opérations spéciales ne va pas rester longtemps. Voilà une patrouille. Quelqu'un a fini de mettre en. Rien. Il vaut mieux vérifier. Va voir. Ils ne doivent pas vous voir. Silence. Il fait trop sombre. J'y vois rien. Entre et va voir, Dummkopf. Bien joué! Allons-y. Allez-y.
suis pas en train de voir. Je suis patient. Allons-y. On doit faire sauter ce train, BG. J'aime bien le faire sauter, mais je suis tout étonnant. Voyons si vous savez y faire en démolition, BJ. Faites sauter cette porte. Quelle porte? Master! D'accord. D'accord. Bloquez-vous, ça va exploser! Il y a des trucs à récupérer, c'est bien ça. Allez, on y va. Je vais ici à Arène. Je suis coincé. Vous savez quoi? Des agents du cercle Kreisar ont été repérés sur les quais 3 et 4. Vous devez les arrêter à tout prix. C'est quoi ça? Wow. Tac. Là? Ah, de l'autre côté, j'ai quelque chose à prendre. Non? J'ai vu comme un. Comme si je pouvais choper quelque chose. Ah. D'accord, c'est accroché. Oh les quais, j'ai pas vu. Donc, je ferai des parties comme d'habitude de 30 minutes à peu près. Hein. Il va y avoir plein de nazis, j'adore les jeux comme ça. L'Amérique est ici. Bien joué. Ouh, j'ai pris cher. Ah, les bons vieux jeux comme ça. Hein. Je sais pas comment on fait pour relancer une grenade. Je sais pas, vous contournez.
Oh le con. Tirez sur les renforts nazis! Encore une petite minute! Oh, c'est un vrai massacre! Il faut faire attention à la jauge en bas. La bombe est armée! Hop, faut toujours faire attention pour récupérer les munitions. Le spectacle, j'ai tout récupéré les munitions. Le train des opérations spéciales a été détruit. Toutes les équipes d'incendie sur le c'est quoi ce produit? Vous inquiétez pas, il est blessé, mais je vais m'en occuper. Rendez-vous à la planque du cercle Crysau. Elle est indiquée sur votre carte. Ce produit, tout du coup, ça... Qui a fait ça? Allez! Wow. Et je vole pas, moi. C'est quoi ce pays? En fait, ça va rester comme ça en l'air jusqu'à ce que je le tue en fait.
Je le saurais, je t'aurais... C'est que sur moi en plus, c'est bizarre, ça fonctionne moins. À gauche. Hop. Venez, agent Blaskovitch, suivez-moi. Ah, j'ai fini la première mission. À la gare, je suis entré en contact avec Eric Engel, membre du cercle Kreiso. Il y a malheureusement une taupe dans l'organisation. Les nazis savaient que j'allais arriver. Nous avons réussi à nous en sortir et à détruire un train d'opération spécial qui a purement et simplement annulé la pesanteur en explosant. Tout flottait dans les airs. Je suis certain qu'il y a un rapport entre cet événement, le général Zeta et le médaillon Touleux. J'espère en apprendre davantage lorsque je rencontrerai Caroline Baker, qui dirige le cercle Kreiso. Voilà un petit rappel résumé voilà de la mission. Donc voilà, passons à la suivante. Ah, hop, on était à gare, mission terminée, j'ai gagné 500 dollars, j'ai tué 62 personnes. Putain, j'ai que 2 sur 11 en or. Ouais, et 2 sur 5 en renseignement, mais c'est pas grave, je referai pour plus tard. Amélioration débloquée, concentrateur, silencieux, vision améliorée, silencieux. Pour vos armes et vos pouvoirs du voile auprès des vendeurs du marché noir à Perpignan dans la ville. Continue. Oh, ça me plaît de plus en plus ce jeu. Moi qui aime bien casser des... Bonjour agent Blaskovitch. C'est le cercle Kreisau qui m'envoie pour vous faire connaître la ville. Voici une carte du centre-ville d'Eisenstadt. J'ai indiqué les zones importantes et je mettrai à jour cette carte si nécessaire. Objectif, donneur de mission, entrée du niveau, cercle, réseau, aube d'or, planque, d'accord. Ok. Et pour sortir de là, on fait comment? D'accord, c'est très bien ça. Pendant vos missions, notez tout ce qui vous paraît anormal, pour nous en parler plus tard. Récupérez aussi tous les documents que vous trouverez. Cartes, ordres, plans et tout le reste. Le marché noir a plusieurs planques dans la ville. J'en ai indiqué certaines sur votre carte. Vous pourriez acheter des munitions et améliorer... Vous verrez que votre journal est indispensable. Consultez-le souvent. Et du coup, c'est quand je échappe que... Non. Vous allez avoir besoin de matériel après la bataille de la gare. Suivez-moi, je connais une cachette du marché noir tout près d'ici. Ensuite, je vous emmènerai voir Caroline. Je cherche la touche pour activer la map. Fail. Ah, c'est Tab. D'accord, ça va mieux. Allons-y, je vous emmène à la planque du marché noir. La planque du marché noir est derrière cette porte. Entrez et parlez aux vendeurs. Puis on ira à la planque du cercle Kreisau. Vous ressemblez à un Américain. Vous avez rencontré Stéphane et Anton, les deux frères? C'est à eux ici. Stéphane est le cerveau de l'opération. Et Anton s'occupe de ce qui se passe dans la rue. Ils ont une même passion. L'argent. Mais attention, on n'est pas des criminels. On fait juste des affaires. Et depuis l'arrivée des nazis, ça marche bien. On se fait un beau pactole sur la bouffe et les médicaments. J'espère que cette guerre ne finira jamais. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je te félicite, petit frère. Personne n'aurait pensé à voler des armes dans un train, pendant que les nazis se battaient sur un autre. Regarde, frangin. C'est l'Américain qui a fait sauter le train de munitions. Je l'ai vu se battre. Vous savez que les nazis ont mis votre tête à prix? Soyez tranquille.
On ne dira rien. Pas tout de suite, en tout cas. Tu crois qu'on peut lui faire confiance, Anton ? Regarde cette lueur dans ses yeux. Voilà un gars qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et comme nous. Allez-y, jetez un coup d'œil, l'Américain. Prenez ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de payer. Et tâchez de ne pas perdre notre confiance. Ah, je suis sûr qu'on va très bien s'entendre, Stéphane. Dans le cas contraire, il y a toujours la prime sur sa tête. On pourrait faire un marché. Je vous donne des informations sur les nazis, en échange de ce que vous savez sur le cercle Kreisau. Je ne suis pas un plouc de Bosch, Yankee. Je sais à quoi vous êtes prêt pour gagner le projet Manhattan, par exemple. Oh, je vous ai choqué ? Faut pas. Alors, l'Américain, c'est quoi votre mission ici ? Assassinat ? Reconnaissance ? Hein ? Bon, tant pis. Vous travaillez avec le cercle Kreisau, n'est-ce pas ? Saluez Eric Engel de la part de ses vieux camarades. D'après ce que j'ai vu quand je pillais la gare, vous êtes un allié précieux dans les combats. Après, j'ai filé avec mon butin. Mais... Vous avez des achats à faire ? Oh, restez prudents. Alors... Attends, je peux remettre encore... Vision améliorée. Ah ! Équipe d'un canon aux rayures plus... qui favorise. Oh, c'est pas ça. Je sais pas, c'est. L'équipe d'un canon. Qui favorise la rotation de la balle et augmente notamment la pression du tir. Ça peut être utile. Oui. Hop. Je pense pas qu'il y ait... Ah si, on peut l'améliorer. Explosif, munitions... Fin de séquence... Ah, c'est pas mal ça aussi. Est-ce que je peux l'améliorer quelque chose? Non, j'ai déjà amélioré, c'est pas sûr. Hop, c'est sûr, je voulais dire. Ah ouais, ça le stabilise. Ça c'est silencieux, ouais, bon, c'est pas grave. Dans Eisenstadt, my friend. Les temps sont durs et la prime offerte pour votre tête pourrait en allécher plus d'un. Revenez avec plus d'argent. Ouais. Zergut, suivez-moi. Je vais vous emmener à la planque du cercle Kreisau. Caroline vous y attend. Regardez, il y a des produits comme ça partout. Et du coup, c'est avec les pouvoirs qu'on va avoir après. Venez, agent Blaskovitch. Allons à la planque du cercle Kreisau. J'aime bien les gars, ils se planquent pas, mais en fait... Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous savez à son sujet ? Mais je sais. D'ailleurs, je le vois juste revenir tout le temps. Je sais rien. Allons-y, agent Blaskovitch. Caroline vous attend. Voilà l'entrée de la planque du cercle Kreisau. Vous avez eu du Entrez. Mal à nous trouver ? Caroline veut vous parler. Un homme ? La radio... J'ai le tour du propriétaire. C'est un peu sinistre. Hein. C'est la guerre. Hein. Mais la guerre de nos jours, c'est plus pareil. Hein. Bien sûr, dans la cave, c'est... Tu veux savoir où nous sommes vulnérables ? Je crois qu'Anton et Stéphane pourraient être dangereux. Les frères du marché noir ? Ils ne mordront pas la main qui les nourrit. Alors espérons que les nazis ne les nourriront pas mieux que nous. BJ, je vous présente Caroline Baker. C'est elle qui dirige le cercle Kreisau. Agent Blaskovitch, le cercle Kreisau vous remercie pour votre aide à la gare. Mais nous ne pouvons pas vous aider. Nous devons libérer Eisenstadt. Oh, il n'aura pas besoin de nous, Caroline. Je l'ai vu à l'œuvre. Je crois que ce serait un allié de choix. Laissez-moi en juger. Si c'est vrai que vous cherchez le général Zeta, il a été vu pour la dernière fois sur un site de fouille près de la ville. L'endroit sera très bien gardé. Nous ne savons pas ce qu'ils font les nazis.
Vous perdez votre temps, ils vous abattront. Mais si vous insistez, j'ai marqué le site sur votre carte. Ok. D'accord. Enfin, de là, je vais sortir, je vais passer par, par l'arrière. Tac, tac, tac. Monter l'escalier, possible. Voilà. D'accord. Pas de problème, j'y vais. Au revoir, à tes jours. J'ai une mission à faire. Suivez-moi, Jean Blaskovitch. Je vais vous emmener à un camion qui va sur le site des fouilles. Et je partais par là-bas, je peux dire. Chut! Une patrouille vient par ici. Quoi, je leur tire dessus ou quoi? Cette arme est un espion! À couvert! Fuis quoi faire! J'aime bien parce que... Avancez! On ne se rend pas! Des munitions. Venez, agent Blaskovitch, suivez-moi. D'accord, il y a des meubles aussi à fouiller. Oui, est-ce que j'ai pas regardé des personnes qui ont déjà fait ce jeu? Je l'ai pas regardé parce que j'ai dit je vais pas me spoiler, je veux vraiment découvrir le jeu par moi-même. Le camion pour le site des fouilles va partir. C'est par cette porte. Vous allez sur le site des fouilles, hein? Ce camion va justement y faire une livraison. Montez derrière et planquez-vous. Ah, ah, d'accord. Ouf. Ah ouais, d'accord.
Ah, je suis vachement blanqué là, si je me planque comme ça. Ouh, ça fait 35 minutes que je suis sur l'épisode. Sortez-moi d'ici. Les nazis vont venir me tuer. Mais je pourrais être un nazi. Vous êtes Béji Blaskovitch. Je sais tout sur vous et votre mission. Qui es-tu, petit? Je suis Sergueï Kovlov, membre de l'Aube d'Or, un groupe d'érudits qui étudie les sciences occultes. Je suis venu ici récupérer un artefact. Mais les nazis m'ont capturé. Ils m'ont torturé et j'ai craqué. Je leur ai dit où était le médaillon Toul. Le médaillon Toul? Un artefact d'une valeur inestimable qui se trouve dans une salle un peu plus loin. Écoutez, Béji, vous devez les arrêter. Si les nazis mettent la main sur ce médaillon, tout est fini. Très bien, petit. Reste ici, je vais m'assurer de ta sécurité. Merci, agent Blaskovitch. Remercie-moi après. C'est bizarre qu'ils connaissent son identité et tout. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ce suspense. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Bye bye.